que nous sommes là pour faire, mais aussi pour essayer de regarder tout ce qui a réuni les parents et les chefs et aussi les professeurs. Je vais inviter alors en ce moment-là, avec tous mes respects, le directeur de l'école internationale de Binenglanobe, M. Eric Ibuanga, qui va donc vous présenter le bilan de l'année. Chers collègues, distingués invités, il est difficile de notre part d'imaginer les sentiments de grande gratitude que nous ressentons en ce moment particulièrement et tout le corps administratif de notre école. Du fait que vous avez honoré de votre présence à cette émulation malgré vos multiples préoccupations. Nous sommes reconnaissants à l'endroit de la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour son soutien à notre initiative. Nous disons aussi merci à tous les parents pour cette confiance que vous avez placée en nous pour la formation, l'éducation et l'instruction de vos enfants. Laissez-moi vous dire que vous avez eu raison, parce que nous avons au moins satisfait à plus de 90% de vos attentes. Notre gratitude à tous les enseignants qui se sont impliqués à fond pour la réussite de cette année scolaire. Félicitations à tous les élèves pour le rétro-contrôle et encore, je suis très comblé de leur travail. Nous espérons vous revoir l'année prochaine ici à l'école internationale bilingue Lanobe. Vive les études, vive l'école, je vous remercie. On va écouter avec brio, avec attention, le mot de l'élève. Bonjour chers parents, je vais lire le mot de l'élève. Chers parents, distingués invités, l'honneur m'est fait aujourd'hui en prenant la parole au nom de tous les élèves de l'école internationale bilingue Lanobe. À vous chers enseignants et enseignants, certes nous avons été des enfants difficiles. À certains moments, nous avons parfois prié par la avez su nous témoigner votre amour et vous nous avez donné mois par mois l'amour du travail bien fait et vous avez développé en chacun de nous l'esprit d'émulation permanente. L'année scolaire 2022-2023 s'achève, les parents ont fait leur devoir, chacun de nous reconnaîtra ce qu'il a semé. Je nous encourage à continuer de lire et de travailler dans les disciplines où nous avons des lacunes. La nôtre, détermination, travail, succès. Je vous remercie. Chers parents, alors tout ce que les enfants vont présenter ce matin, c'est ce qu'ils ont appris dans leur livre. Tous les 9 mois, donc c'est ce qu'ils vont présenter. On ne sait pas ce qu'ils. Merci. Bonjour chers parents, je m'appelle Noah. Je vous raconte poésie sous ce ça dans le chapelet. Les éclaboussures sont contents. Il adore la pluie. Les deux petits souris l'homme m'a mangé. Il fait de salade mien. Bravo. Donc nous allons commencer par Joanna et Edwin. Yeah.
applaudissez, les esclaves aux ailes, les esclaves applaudissez, applaudissez, applaudissez. Au primaire, plus particulièrement à la classe de CP. Ils sont au nombre 27 et il y a eu 25 qui sont déclarés admis et il y a eu 2 refusés. Et les 5 meilleurs élèves de cette classe, le premier, monsieur Ephraim Mavi William. Le troisième, bon étant hop, il a obtenu une moyenne de 9,31. Le quatrième, Mouanou Noah. Madame, je suis jamais. T'as quel problème qui est venu? Madame Ibonga, je suis un enfant. Nous avons la première et la classe de CM1. Il s'agit de Tombokoloé Kerina qui a obtenu une moyenne de 9,99. Comment il s'appelle? Loubou Massengo Victoria qui a obtenu une moyenne de 15,503 de moyenne. Ici, on va se rendre compte que les cadeaux seront particuliers. Quel est le classement? Aïe, aïe, aïe. Monsieur le professeur de l'école internationale bilingue la note pour la remise du prix de la meilleure élève. C'est grâce à lui qu'on est là, je vous en prie. Des informations à votre disposition, particulièrement concernant les listes de fournitures scolaires. C'est bon déjà au niveau de la direction. Et les inscriptions et les réceptions à titre de l'année scolaire 2023-2024, c'est aussi bon. Donc vous pouvez passer. L'école internationale bien la nôtre vous dit, remercie. Je vous rappelle aussi que la rentrée scolaire au titre de l'année 2023-2024 sera donc ouverte à partir du mois de septembre. Pour ce, je vous dis remercie et bonnes vacances.